Voilà. Bon. Ben merci Annick de nous accorder un peu de ton temps là pour revenir sur cette période qui nous intéresse dans le cadre des entretiens qu'on fait, c'est-à-dire la période qui démarre en 81, même si évidemment tout ne démarre pas là, mais enfin en tout cas c'est la borne temporelle qu'on a choisie, et puis toute la suite pour essayer d'étudier finalement à travers les différents témoignages l'itinéraire de l'éducation physique et des personnes qui ont contribué à la faire bouger, à la faire évoluer, etc. Donc la première question que je te poserai, elle est toute simple, c'est en 81, donc François Mitterrand est élu, la rentrée 81, tu es où et tu fais quoi? je suis au secrétariat national du SNEP, mais j'ai demandé à reprendre... sinon un poste, du moins des heures dans mon collège. Donc je fais la rentrée 80 dans mon collège. Et la raison que j'ai donnée aux copains, qui était un peu sidéré, quoi, que je veuille reprendre, c'est je ne sais plus comment sont les choses sur le terrain. Donc j'ai besoin de retourner voir comment ça se passe dans les établissements scolaires. Quoi. Donc j'ai repris, j'ai pas repris beaucoup, j'ai repris pas tout à fait un demi-poste. Voilà. J'ai repris notamment mes non-nageurs. Voilà. Donc je suis toujours secrétaire national du SNEP, mais j'ai des heures sur le terrain. Et puis comme on a sorti, pour des raisons de commerce positif d'ailleurs, Olympie, la course des femmes, je me suis aperçue de mes limites théoriques, notamment en sociologie, notamment en études institutionnelles et tout ça. Donc je suis aussi à la fac avec Viviane Isambert-Jamati, c'est-à-dire que j'ai repris un cursus licence en sciences de l'éduc avec Viviane Isambert-Jamati. Voilà. Mais je ne finirai pas l'année, car les ministres communistes ont besoin de personnel. Voilà. Et donc je suis sollicitée par le ministre de la fonction publique, ou plus exactement par le parti pour le ministre de la fonction publique. Et donc je pars chez Anice Lepors. Dans une condition un petit peu ambiguë, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment au cabinet, je suis shadow, quoi. Je suis dans les gens qui travaillent pour le cabinet, au ministère de la fonction publique, mais qui ne sont pas membres du cabinet. Donc, pour en revenir à Viviane Isambert-Jamati, elle m'inscrit en thèse, et j'avais choisi comme sujet de thèse l'emploi du temps des institutrices, le rapport au temps des institutrices. Et elle m'a dit, vous finirez pas, Annick, même, c'est plus tard, c'est pas en 80. Donc, je ne finirai pas l'année parce que je pars à la fonction publique avec la charge de travailler sur les femmes dans la fonction publique. Et donc, dans l'année, entre 80, le printemps 82 et 83, pas 84, je fais un rapport au ministre Anice Lepors sur les femmes et la fonction publique. Donc, je suis a posteriori assez fière. Voilà, vous verrez, la préface est bien faite. J'ai eu à gérer le conflit avec le SGEN, enfin la CFDT plutôt, et le ministère Roudy sur l'article 7, c'est-à-dire sur faut-il ou non des concours séparés, puisque la CFDT et Roudy voulaient qu'il n'y ait plus aucune discrimination légale, donc retour au concours unique. Et je leur avais dit, si vous faites ça, on aura moins de femmes à la fin. Et évidemment, à l'époque, on ne croyait pas quand on disait ça. Les seuls alliés que j'avais, c'était les copains, les jeunes de l'UNEF, je pense que c'était l'UNEF, de la rue d'Ulm, justement, qui disaient, s'il n'y a plus qu'un seul concours en physique et en maths, on n'aura plus de femmes. Voilà, je dis ça parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment résisté à la pression avec le SNEP. Le SNEP était sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on était bien conscient que si on supprimait les dénominations hommes-femmes, on aurait des équipes d'hommes et des équipes de femmes, enfin pas partout, mais on pourrait avoir des équipes d'hommes et des équipes de femmes, et que s'il n'y avait plus qu'un concours, à l'arrivée, il y aurait moins de femmes. Voilà. C'est un titre de fierté. Voilà, je tiens à le rappeler. Donc je reste au ministère de la fonction publique jusqu'en 83. Pourquoi pareil, le printemps 83. Pourquoi je reste pas jusqu'en 84? Parce que je ne trouve pas ma place. J'ai remis mon rapport, il est publié la documentation française, le ministre a demandé une décoration, tout va bien, mais moi je me sens pas... voilà. Donc à l'époque j'ai postulé pour être nommée à l'école normale de Créteil, la nouvelle école normale de Bologne.
Je l'aurais sans doute eu, mais entre deux, il y a eu les débats sur les IPR. Et il y a une liste du Parti communiste avec 6 personnes, dont Marcel Berge, dont je pense Jackie Dumonteau, Ridou, Brian Brun. D'abord, moi, je ne veux pas. Donc, qu'on comprenne bien, il y avait une proposition du Parti communiste d'une liste pour intégrer le corps des IPR, voilà, à cette époque-là, voilà, ce qui était une pratique, on va dire, normale. Alors, donc, est-ce que tous les partis, d'autres partis ont fait ça à ta connaissance? Ils n'avaient pas besoin, ouais, ils y étaient déjà en masse. Nous, il n'y avait que Delaubert. Et je suis pas sûre, je sais plus quand est mort Delaubert, mais en tout cas, s'il y avait encore Roger, c'était le seul. Il n'y avait pas d'IPR communiste. Et après, il y a eu des gens du SNEP, mais non communistes. Mais le parti en tant que tel a proposé une liste au secrétaire, au chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Mon ministre, Le Porse, a dit « Tu veux que j'intervienne ?» Je lui ai dit « Surtout pas, surtout pas !» Et pareil, Gazol, le chef de cabinet du ministre de l'Éduc, comment il s'appelait, Savary, a téléphoné à mon mari en disant « Tu veux qu'on... » « Non, surtout pas !» Et en gros, sur cette liste-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres copains, mais sur cette liste-là, ils n'ont pris que moi. La raison, c'est que j'avais publié. Vous connaissez mieux que moi. Ils n'ont pris que moi, dans cette liste-là. Et donc, moi, je ne voulais pas être père, quoi. Donc, je me suis dit « Bon, je vais essayer. » Donc, Pinot embêté ou mettre Annick de Lys. Donc, puis madame m'a mis à Versailles, mais ça allait pas. Il y avait un poste vacant à Amiens, je lui ai dit, j'irai pas. Voilà. Je pouvais pas me mettre à Amiens. Il a voulu me mettre à Versailles. Je crois que c'est les gens de Versailles qui n'ont pas voulu, les gens qui l'influençaient. Et donc, ils ont créé pour moi un poste à Créteil. Je suis arrivée, mes collègues étaient persuadés que je ne ferais pas IPR, que c'était un poste honorifique pour être payé comme IPR. Hein. Et je leur ai dit, ah, mais non, moi je viens pour travailler. Ils m'ont dit, eh ben, on va te donner la Seine-Saint-Denis, ça t'ira bien autant. Voilà. Donc j'étais IPR à Créteil, mais les IPP, puisque on était encore IPP, les IPP à l'époque, avaient chacun un département, et donc j'ai récolté la Seine-Saint-Denis, avec plaisir d'ailleurs. Je ne voulais pas aller dans le Val-de-Marne, je connaissais trop les collègues. Je connaissais les cadavres dans les placards et je ne tenais pas à les ouvrir, quoi. Voilà, donc pour cette période, tu vois, 81-83. Donc je fais la rentrée 83 comme IPR à Créteil. Et tu n'avais donc aucune idée préconçue sur le travail que ça a demandé et sur ce que tu allais bien pouvoir y faire? Tout à fait. Et c'est une bonne question parce que d'autres copains du SNEP, à suite Dijon en particulier, me disaient « Ah mais nous, on sait ce qu'on va y faire, etc. La biche ». On sait ce qu'on va y faire, on a un projet, etc. Moi, je l'ai regardé, moi, j'ai pas de projet, hein. Je l'ai regardé commencer, et puis, je verrai. J'étais pas sûre de rester, en plus. On avait 2 ans de stage. Hein, donc. Et donc, j'ai pris au sérieux, alors je le dis maintenant, ça, hein, je sais pas si je l'ai pensé comme ça à l'époque, j'ai pris au sérieux le mot inspecteur. Hein. Je suis inspectare en latin, ça veut dire regarder. Et donc, j'ai pris ça très au sérieux, en disant, ah, ben, ce qu'il y a de super, c'est que je vais regarder travailler les gens, quoi. Voilà. La notation, ça me faisait froid dans le dos, mais je venais de la fonction publique. J'avais travaillé sur le statut des fonctionnaires. Donc je savais bien aussi qu'on ne pouvait pas si facilement se passer de notes. Et que les blablabla sur « il suffit d'avoir une réunion pour savoir si les gens... » Non, il faut voir les profs travailler sur le terrain. Après, noter, pas noter, c'est un débat qui, je pense, est encore difficile aujourd'hui pour vous. Hein, c'est pas une question difficile. Deuxième contradiction forte, les collègues me disaient oh, « Le moment super, c'est quand on fait le point avec le prof. » Et moi qui crois que l'inconscient existe, je trouvais ce moment-là épouvantable. On peut tuer quelqu'un dans un entretien d'inspection, puisque toi, tu as vu ce qu'il faisait. Et j'ai toujours trouvé ça terrorisant, quoi, l'entretien après l'inspection. Donc, il faudrait là-dessus prendre l'avis du SNEP de Créteil, mais en gros... Copain me disait, c'est bien ce que tu fais, non, c'est bien ce que tu fais, mais tu ne pourrais pas inspecter un tout petit peu plus. Et je leur disais, non, non, voilà, c'est pas compatible facilement. Donc j'avais pris en gros le parti pris d'inspecter, bah, évidemment, les non-titulaires pour les titularisations, tout ça, bien sûr, pour lesquels les infos venaient jusqu'à moi, donc ceux-là, il fallait quand même aller leur remonter les bretelles. Je me souviens avoir dit à un gars...
j'accepte, enfin, ancien de la Légion, voilà, bref, j'accepte votre titularisation, mais vous êtes sous surveillance. À la première sottise, je vous fais virer. Quand j'ai consulté le proviseur l'année d'après, il m'a dit, madame, au moins il est là. Bon. Donc vous voyez des anecdotes de ce type, j'ai pas. Et puis, j'avais besoin d'inspecter pour une troisième raison, qui était la plus valorisante, bien sûr, c'était d'avoir des formateurs. Parce que dans l'Académie de Créteil, la tendance naturelle, géographico-naturelle, était de prendre des formateurs plutôt du Val-de-Marne et plutôt profs de lycée. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit à la MAFPEN, d'ailleurs. C'était pas que hors du PS. C'était vrai à la MAFPEN. Mais je leur ai dit, c'est pas possible. Dans un département où il y a de grosses difficultés scolaires, on ne va pas prendre des formateurs issus des lycées de centre-ville du département le moins en difficulté. Quoi. C'est pas possible. Donc il fallait que j'aille faire mes courses. C'est-à-dire, il fallait que j'aille aussi voir des gens susceptibles de devenir des formateurs. Question qui s'est beaucoup... qui a pris une dimension numérique importante, puisqu'il n'y avait pas du FRAPS à Créteil. C'est significatif, hein, que sur l'Est parisien populaire, il n'y avait pas du FRAPS. Voilà, on avait à Versailles, on avait... Alors, il y avait même... Enfin, il y avait Versailles. Et donc, il fallait... en attendant d'obtenir une FRAPS, qu'on a obtenu, il fallait des formateurs, quoi. Formation continue, formation initiale, d'autant qu'on a très vite été pris au sérieux par la direction du CPR, par exemple, considérait qu'on jouait un rôle important, qu'on posait des bonnes questions, on était un peu les seuls à beaucoup mettre au centre de nos réflexions la question des EP, la question des élèves en difficulté, etc. Donc il fallait trouver beaucoup de profs. Voilà comment j'ai conçu l'inspection. Et donc tu te retrouves IPR dans une IPP donc à l'époque oui. dans une académie on peut dire avec des problèmes, de nombreux problèmes. Comment tu chemines là-dedans et qu'est-ce que tu te donnes comme objectif finalement pour peser d'une certaine manière dans l'évolution de l'éducation physique, en tout cas sur l'académie. Si tu veux, ce que je fais d'un peu atypique, je crois que j'ai fait beaucoup de choses atypiques, hein, mais c'est par exemple d'aller voir en priorité les gens des lycées professionnels. C'est-à-dire d'aller voir en priorité ceux qui, à mon avis, avaient besoin d'une aide pédagogique. Pourquoi ? Parce que faire une EPS de qualité avec 2 heures en lycée professionnel, ça me paraissait quand même la quadrature du cercle. Ça me paraît d'ailleurs toujours la quadrature du cercle. Et je me suis dit, je vais d'abord aller voir ces gens-là, parce qu'au moins, si je peux faire quelque chose... Et pour moi, aller les voir, c'était aussi les mettre ensemble. Donc j'ai commencé un peu mes circuits par des réunions des profs de lycée professionnel, du département d'abord, mais aussi de l'académie après. Et qu'est-ce que ça a été ? On voit là combien c'est gratifiant pour les profs d'être reconnus dans leurs vraies conditions de travail, quoi. Par exemple, puisqu'on était au début du nouveau bac, hein, je leur disais, mais de toute façon, vous trichez au lycée professionnel, vous ne pouvez pas faire autrement de tricher. Qu'une inspectrice puisse leur dire ça sans malveillance, quoi. Mais pour reconnaître que c'était... on leur demandait de faire des choses qui étaient quasi impossibles, quoi. Donc, la priorité, ça a été les lycées professionnels. Ensuite, ça a été les EP. Et donc là aussi, d'abord au niveau du département, on a donc une commission ZEP, on avait une commission LP, voilà, etc. C'est-à-dire, c'était l'idée de mettre les gens en tas. Bon, moi j'étais persuadée qu'en mettant les gens ensemble, mais bon, je vous dis, je crois que l'inconscient existe et j'avais quand même un peu en connaissance les groupes de parole qui se faisaient à l'hôpital, etc., hein, dans les hôpitaux, etc. Donc c'était pas, je faisais pas ça de façon totalement improvisée, mais pas non plus de façon trop pensée à l'avance, quoi. Je crois que j'ai fait avec eux. Et qui m'en ont été beaucoup reconnaissantes. Du coup, j'ai peut-être un peu heurté les profs de lycée. Parce que je ne sais pas si c'est comme ça vraiment sur le terrain, ou si c'était que à Créteil. Les profs de lycée, ils se considéraient quand même comme voilà, un peu l'élite du métier, quoi. Et c'est ceux que je suis allée voir en dernier, quoi. Donc, je crois que de ce côté-là, j'ai peut-être pas fait les choses aussi... professionnellement qu'il aurait fallu, quoi. J'ai vraiment l'EP, ZEP, j'ai pensé pratiquement qu'à cela, quoi. Et donc, parce que tu as été obligé d'avoir un groupe
un groupe de travail avec toi, enfin des gens qui travaillent avec toi, comme ça se passe d'ailleurs toujours aujourd'hui auprès des IPR. Et comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu comment vous avez mis en marche ce que plus tard on appellera le courant de Créteil, etc. Parce que bon, maintenant quand on regarde dans les livres d'histoire, c'est quelque chose qui est relativement référencé. voilà, mais bon, comment ça s'est construit, comment ça s'est passé, avec quels problèmes, quels écueils et quelles réussites Alors, on avait quand même, c'était un héritage du bureau EPS, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, il y avait un bureau EPS au ministère. Il s'appelait bureau EPS, je pense, avec Perrault, Madame Guano, tout ça, sous l'autorité de, je ne sais plus son nom, mais d'un monsieur sympa aussi. Pagès, voilà. Et donc, on avait un chargé de mission dans les trois départements. Et j'ai eu la chance que c'était un gars qui connaissait bien, quoi. Mais d'ailleurs, les trois connaissaient bien les départements. Ils nous ont beaucoup aidés quand même à arriver. Et puis, l'Académie de Créteil était un peu atypique sur la FPC, parce qu'on avait, comme tout le monde, une commission pédagogique académique et des commissions pédagogiques départementales. Mais on n'était pas... Enfin, dans la corporation, quand on parlait des commissions pédagogiques, c'était Versailles, c'était Lyon, c'était... Voilà, Créteil, ça n'existait pas, quoi. Hein, donc... Or, à Créteil, pour des raisons qui ne dépendaient pas de nous, il y avait énormément de jeunes profs. Étaient déjà nommés, ça n'a pas nous changé, étaient déjà nommés en Seine-Saint-Denis, en gros, tous les jeunes profs. Et donc, ça donnait une vraie dynamique. J'emploie souvent cette expression, en 82, ils étaient prêts à soulever des montagnes, quoi. Il y avait donc un dynamisme, une capacité à s'investir, à échanger, etc., qui était remarquable. Et bon, là-dedans, bon, on m'a beaucoup reproché qu'il n'y ait que des communistes, c'est pas du tout vrai. Ben, il y avait beaucoup de gens du SNEP, oui, mais qui étaient désignés par leurs collègues. C'est pas moi qui suis allé chercher. Ils étaient désignés par leurs collègues, ils étaient responsables de secteur. Voilà, et donc cette commission départementale et même la commission académique, reposant sur des responsables de secteur, etc., ça a été un atout formidable, quoi. C'est vraiment eux qui ont validé les propositions que je pouvais faire, quoi. Alors ils ont validé, donc quelquefois un peu tiqué. Mais je veux dire que la façon dont ils fonctionnaient, c'était quand même à l'air du temps. On nous a dit que tel stage c'était bien, etc. Et je leur ai dit non, on va pas faire comme ça, hein. On va se poser des questions, donc on a besoin de quoi. Or on s'était assez vite aperçu que là où on était vraiment à découvert, c'était sur le terrain didactique. C'est-à-dire, en gros, je dis ça à la louche, hein, et c'est mes souvenirs. On est passé de stage Miron-Mersenac à des stages Guarant de Leplace. C'est-à-dire, on a, avec l'idée qu'il fallait, Guarant de Leplace, alpinisme, enfin, comment on dit ? Non, escalade, pas alpinisme. Escalade. Escalade et danse. C'est-à-dire, on a fait des analyses de besoins, en quelque sorte, qui ne correspondaient pas du tout à l'ère du temps, mais à ce qui nous paraissait manquer comme outil didactique aux collègues. Et là, ils ont été emballés, parce que du coup, ils s'apercevaient bien qu'effectivement, alors les stages d'escalade, le chef de la MAFTEM disait, Madame Davis, vous allez arrêter avec les stages d'escalade. Il y en avait floraison. Je disais, non, c'est lié à la sécurité. Les collègues, ils ne se sentent pas en sécurité tant qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment les processus, quoi. Donc, par exemple, il y avait beaucoup de stages escalade. Les stages danse, ben pareil, comme j'avais assez vite réclamé qu'il y ait de la danse, il y ait davantage de danse, y compris pour les garçons, c'est-à-dire pour les filles et les garçons, pas seulement pour les filles, je savais bien, alors je dirais tout à l'heure que ça me semble toujours une difficulté, ça, que la danse, c'est pas un stage de 3 jours, de 2 jours. C'est comme l'escalade, pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a des activités où, pour que les collègues se sentent suffisamment, à l'aise pour en faire avec les élèves, elles demandent plus de temps que les autres. Alors, il y a une partie d'apparence là-dedans, mais pas seulement. Je crois qu'il y a vraiment des mises en cause de soi, que ce soit sur l'escalade, sur le terrain de la sécurité, la mise en question de soi et des élèves. Et en danse, pareil, les collègues ne se balancent pas dans la danse comme ça, quoi. Donc, commission pédagogique, on a eu assez vite un gros soutien de la MAFPEN. Pas pour des raisons idéologiques, c'était SGEN uniforme. Hein. Mais j'étais pratiquement la seule, d'emblée, à poser les questions des ZEP. Or, c'était à la mode.
Donc ils avaient un interlocuteur qui, d'une certaine manière, apportait aussi des choses là où ils en avaient besoin. Et puis mes collègues IPR, pareil, pas du tout pour des raisons idéologiques, mais confrontés à la question des difficultés scolaires, on est rentré dans des dynamiques communes. Une IPR de français me disant par exemple, les questions que tu poses en EPS, là j'essaye de poser les mêmes en français, c'est drôlement intéressant. Tu vois, donc le fait, j'étais portée en gros par l'éducation prioritaire. Je suis professionnellement parce que tout le monde continue à s'en foutre, mais l'éducation prioritaire, et y compris le recteur Forestier, Forestier a été assez rapidement recteur de l'Académie de Créteil, pareil, il me disait faites ce que vous voulez, vous. Hein. Je disais ben oui, il me dit ben c'est bien, continuez. C'est-à-dire qu'on avait, les soutiens réels d'une institution. Bah, qui avait quand même des consignes ministérielles de s'intéresser un peu à la transformation de l'école, à l'éducation prioritaire, etc., et qui n'avait pas d'outils pour le faire, comme les collègues, d'une certaine manière. Donc j'ai été quand même beaucoup portée, hein, y compris de ce point de vue par Pinault. Alors c'est un vrai débat, parce que Robert Ney me disait « Ouais, mais t'es son alibi ». Je disais « C'est pas du tout fou ». J'étais sans doute un peu l'alibi de Pinault. En même temps, moi j'étais pour jouer cette carte institutionnelle au fond. Pas pour des raisons personnelles, ça se serait vu. Encore qu'on a toujours des raisons personnelles de faire les choses, mais Créteil, quoi. Je voulais que l'Académie de Créteil, elle soit reconnue. Pourquoi ? Ben parce que vous connaissez la phrase de Maurice Charrier, le maire à l'époque de Vaux-en-Velin, que Jean-Yves Rochec cite souvent. C'est « La banlieue ne pose pas des problèmes à la société, elle pose des problèmes de la société. » Donc moi, j'avais pris ce mot d'ordre en disant « Ézep, elle pose à l'école... » Elle ne pose pas les questions à l'école, elle pose les questions de l'école. Et donc, ça, c'était... l'institution ne pouvait pas ne pas me soutenir à l'époque. Là, sur ce genre de discours, l'institution ne pouvait pas me soutenir. Et en plus, ils étaient tellement surpris que ce soit mes recteurs qui savaient que j'étais communiste, tout en plus que je n'ai jamais caché à personne, inspecteur d'académie, pareil, ou que ce soit l'inspection générale. J'ai jamais... Je suis toujours intervenu avec mon identité. Et donc, ils étaient un peu embêtés, entre d'un côté, elle nous est bien utile, cette dame, d'un autre côté, ouais, mais quand même, c'est le SNEP. C'est le SNEP, hein, parce que pour tous, pour l'inspection générale, au début, c'était même le SNEP et la FHGT. Et je bourrais, parce que moi, je n'étais pas militante FHGT d'origine, mais c'était le SNEP et la FHGT. Mais j'ai eu, dans l'Académie de Créteil, des vrais soutiens au niveau du rectorat. Et même d'une certaine... Un peu plus difficile avec les inspections académiques, mais quand même. Non, quand même, on a réussi à... Ils étaient sensibles à cette dimension de l'apport, quoi. Une question. Pendant cette période-là que tu décris, c'est la période aussi de gestation des programmes en éducation physique, puisque, bon, 84, c'est la commission... 83-84, c'est la commission verticale, puis des discussions un petit peu partout. La fin des années 80 et le début des années 90, c'est des consultations avec, effectivement, tu citais Pinault tout à l'heure, donc pour déboucher sur le schéma directeur, et puis, bon, ensuite, sur ce qui deviendront les programmes de 96. Est-ce que ça a eu un impact et comment, en tout cas, comment l'Académie de Créteil, partant des problématiques de zones sensibles, etc., enfin, ça ne s'appelait pas sensible à l'époque, mais comment cette articulation s'est faite ? Est-ce que ça a clashé ? Est-ce que ça a été problématique ? Ou au contraire, est-ce que c'est passé relativement à côté sans que ça soit vraiment une problématique Ah non, c'était délibéré et presque ostentatoire, des deux côtés. Pinault a tenu à ce que l'Académie de Créteil soit dedans, pour les raisons que je disais tout à l'heure. C'est qu'on était quand même les seuls à pouvoir mettre à jour, en tout cas les seuls portés par l'IPR. Les copains de Versailles auraient sûrement su le faire, mais leurs IPR ne les portaient pas. Alors que moi, je portais l'Académie. Et donc, Pinault tenait beaucoup à ce que l'Académie... Et moi, il ne m'est pas venu une seconde l'idée de refuser, parce que je pensais qu'il fallait jouer les cartes institutionnelles. Que c'était très important pour les collègues d'être reconnus comme devant participer. Puis j'avais une raison un peu intellectuelle personnelle, c'est que j'avais lu le petit bouquin de Chevènement sur les programmes, et pour moi c'était la honte, quoi. La façon dont le PS était présenté là-dedans, enfin, c'est vrai qu'on a fait pire après dans un autre genre, mais là c'était le vide, quoi. Et je me disais, c'est pas possible, faut qu'on joue notre carte là-dedans. Or on a buté là-dessus. On a buté là-dessus parce qu'autant on était très fort sur la question des élèves,
la prise en compte des élèves, etc. Et sur l'importance des programmations, autant après, on a à nouveau buté sur la question des outils didactiques. C'est-à-dire qu'on posait des bonnes questions et souvent on n'avait pas la réponse, quoi. Et dans les réunions nationales, on était reconnus comme ça. Je dis sans modestie, hein, je suis sans doute une des premières à avoir importé au SNEP et à la FSGT. J'ai fait la promotion de la question du sens, de Léontiev, de Rochex, etc. Je suis allée à la FSGT en disant, il y a une revue qui s'appelle Société française, là, il faut absolument que vous jouiez cette carte-là, etc. C'est-à-dire que j'ai... Comment dire ? Oui, je leur ai apporté quelque chose qui... Et donc, ils se sont mis tous sur la question du sens et des significations. Alors, après, est-ce qu'ils citaient Léontiev ? Ça, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ils ont tous perçu que c'était vraiment quelque chose d'important, y compris ceux qui étaient sur une autre théorie de l'EPS. Mais sur cette question du sens pour les élèves, le côté élève, voilà, du côté élève, on était non seulement compris par tout le monde, mais reconnu. Et ça nous a donné des moyens de travailler, quand même, ça n'a toujours pas du FRAPS. Hein. Donc ça nous a donné des moyens de... Alors c'est à partir de 86. Ce que je répète beaucoup, alors que je pense qu'elle a oublié complètement ça, c'est que c'est pas Pinault qui a inventé les groupes d'innovation. C'est le bureau de l'EPS. Moi, c'est Mme Guano qui m'a téléphoné en disant « Annick, est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'on travaille sur la didactique de l'EPS ?» Pareil, je lui dis « Bien sûr !» Donc, elle l'a proposé après à l'inspection générale. Elle m'a demandé mon avis avant. Donc, tu vois, cette espèce de reconnaissance que c'est pas Annick Davis, c'est Créteil, quoi. Ça comptait pas pour des primes, quoi. Et donc, est-ce qu'elle a dit, elle, qu'il fallait qu'on Créteil y soit ? Je suis pas sûre. Non, je pense que Pinault était assez malin pour comprendre que pour tirer les marrons éventuellement après. Mais il fallait que ce soit représentatif au départ. Mais sinon, il serait canardé dès le début. Il y a quand même eu une période, ça c'est 86, hein. Donc en 86, c'est le moment où le SNEP prend le morodant à juste titre, il y a quand même presque une dizaine d'années, quoi. Alors ce qu'on a produit, donc qu'on peut lire, hein, notamment dans le bouquin « 4 courants en EPS », j'ai fait un texte moi, et j'ai publié le texte du groupe d'innovation pédagogique de Créteil. Quand je relis les deux... Je pense que je dis pas que je tords, hein, ce que font les collègues, mais ils sont plus profs de gym que moi, voilà, on va le dire comme ça, et que d'une certaine manière, leurs textes et les textes, les brouillons qui ont servi, étaient peut-être plus forts qu'un texte trop bien écrit et qui donne les choses de façon trop logique, trop ordonnée, voire trop jolie. Du coup, ça manque un peu de force. Ça manque un peu de force par rapport au débat qu'on avait, qui était plus fort que ça, quoi. Par contre, il y a deux points forts, ça, incontestables, c'est savoir nager et la question des filles. Et tu vois, quand je dis qu'on était incontestable, on est incontestable sur ce qu'on disait sur les élèves, sur un truc comme savoir nager, comment veux-tu qu'ils nous contestent les chiffres quand on disait, attendez, si les chiffres sont les mêmes à Vitry-sur-Seine, à la Courneuve, c'est qu'il y a un problème général. Hein. Et donc, les mômes, voilà, ils savent pas nager. En 6e, en 7e, ils savent pas nager. Il y en a quelques-uns qui savent nager, pas beaucoup. Et puis, j'ai eu à gérer la réaction du primaire, des amis, hein, les CPD. Je leur ai dit, on n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas appris en primaire. On vous dit qu'ils ne savent pas en 6e, ce qui n'est pas pareil. Ils peuvent très bien avoir appris et ne pas savoir en 6e. Ça pose deux questions. Bah, d'abord, le milieu social. Là, quand le milieu social ne relaie pas, ce que l'école ne fait pas, personne ne le fait. C'est pas fait, voilà. Et puis, deuxièmement, comment vous le concevez en primaire ? Ça veut dire quoi, savoir nager en primaire ? Et c'était l'époque où les textes, mous, c'était un peu l'épanouissement dans l'eau, quoi. J'ai dit, oh, moi, en 6e, je veux pas l'épanouissement dans l'eau, je veux savoir s'ils savent nager. Ils se noient ou ils se noient pas ? On les emmène en classe de plein air ou on les emmène pas ? Et là-dessus, on a quand même fait un tabac. Hein. C'est-à-dire que les villes, je pense au responsable des sports de la Courneuve, il était emballé par notre projet. C'était quand ils ont compris ce qu'on voulait dire, quoi. Ils disent, faut que l'école joue son rôle, sinon personne. On a vraiment fait un tabac. Et c'est une opération qui se poursuit. Alors, au début, on a eu beaucoup de moyens en plus. C'est-à-dire qu'on a, au maximum, enfin, de ce que j'ai vu moi, on a obtenu des moyens, même quelquefois en 5e, pour les non-nageurs. En tout cas, pour les non-nageurs en 6e, on a souvent obtenu des moyens. Des heures en plus et des heures de prof, des heures de piscine et des heures de prof. Donc c'est l'opération dont je suis le plus fier, quoi. Alors elle a été poursuivie, elle serait peut-être cassée la figure si le chargé de mission EPS à l'époque n'était pas devenu Annie Perfettini.
Donc Annie a suivi l'opération. C'est une des raisons qui m'a permis de partir à l'UFM, c'est qu'Annie était là pour gérer les questions en Seine-Saint-Denis. Et je lui faisais une confiance, bien sûr, totale. Alors, sur les filles, c'était plus contradictoire. Avant que tu abordes cette question des filles, là, je voudrais un mot là sur... Parce que tu as dit, par rapport à la question du savoir nager, c'était l'épanouissement... dans l'eau contre le savoir nager, et c'est quand même une des caractéristiques qu'on voit encore aujourd'hui quand on aborde la question des milieux difficiles, enfin des zones sans, des zones qu'on les appelle sensibles ou autres, c'est-à-dire que la question des contenus proprement dit est quand même plutôt évacuée, elle est mise de côté au profit de choses assez comportementalistes, je ne sais pas comment on dit, et ça a perduré. Mais par contre, vous êtes en tout cas été reconnu comme ça après, mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement garder les contenus comme étant quelque chose de constitutif, je dirais, de l'approche des milieux de Seine-Saint-Denis ou d'académies comme celle-ci, quoi. Je peux prendre trois exemples. Le premier, bien sûr, savoir nager. Parce qu'on a fait un test, du coup, pour dire ce que ça voulait dire, savoir à quoi on voyait qu'un gamin savait nager. Et les collègues, alors plutôt à Annie qu'à moi, quand même, moi je suis père quand même, ils ont dit, mais il est trop dur votre test, on n'y arrive pas. Et on leur a dit, on ne veut pas entendre ça. Ou ils savent nager ou ils ne savent pas. Et s'ils ne savent pas, on dit qu'ils ne savent pas. Mais on ne peut pas dire que le test est trop difficile. Puisque c'est un test qu'on a conçu pour, s'ils ne font pas ça, ils ne savent pas nager. Et donc c'est un débat, ça, tu vois, très important, du point de vue de c'est quoi savoir, c'est quoi les apprentissages. Le deuxième, c'est sur la question du rugby. On a vraiment promu beaucoup. Bon, il y avait Redchess, hein, c'est vrai. Mais il y avait aussi Vidali. Enfin, on avait un nombre de rugbymen. Il y avait un gars qui est parti après la Canal Asso à Vitry. C'était aussi un rugbyman de très très grande qualité. Enfin, je dirais qu'on avait des Deloplaciens, plus que des rugbymen. On avait des Deloplaciens. Et ils se sont fait comprendre, quoi. Ils se sont fait comprendre parce que ce qui est fort chez les profs de gym, c'est la pratique. Donc quand on a fait des stages où les collègues se voyaient progresser parce qu'on leur proposait une approche des contenus forte et pas du tout du baratin avant sur les petits enfants, c'est au fond, d'une certaine manière, c'est les progrès des collègues eux-mêmes dans les activités qui ont validé notre histoire sur les contenus. Tu vois. Le troisième exemple, c'est en gym, bien sûr. Moi, quand je suis arrivée dans l'académie, et quand j'étais prof, donc juste avant, enfin un petit peu avant, donc j'étais quand même permanente syndicale, avoir une bonne note en gym, c'était faire simple mais correct. Et on a regardé les mondes de Zep, on a dit c'est pas possible, c'est juste pas possible. Cette conception-là de la gym, c'est pas possible. Donc Paul est venu plusieurs fois. Et pareil, il avait les soutiens, je pense notamment à Mongin, qui est maintenant dans le Var. Qui ont valorisé ce que faisait Paul. Et pareil, les collègues se sont trouvés, eux, confrontés à la gym. Qu'est-ce qu'ils savaient faire, eux, en gym? Ce qui n'était pas une question simple. Tu vois, je me souviens d'une collègue de lycée professionnel qui était en plus une dame qui avait eu une ancienne maître auxiliaire, enfin, qui n'avait pas une formation de très haut niveau. Elle me disait, madame, j'essaye de faire comme vous dites en gym, le risque, mais j'ai peur. Je lui dis, halte là. Si vous avez peur, il ne faut pas le faire. Donc tu vois, les collègues, quelquefois, ont buté sur leur propre progrès à faire, enfin sur leurs propres difficultés, ils ont buté sur leurs horaires. C'est-à-dire, du coup, on a posé en même temps la question de gym en 6e, 6 séances. Ils vont savoir quoi à la fin? Et ça, c'était incontestable. Les collègues étaient d'accord là-dessus. Moi, je leur disais, quand on parlait des projets, à l'époque, le mot projet, on avait que ça à la bouche, hein. Donc moi je leur disais, si vous voulez faire un projet commun, ce qui est bien, commencez pas par les grands principes. Vous ne vous mettrez jamais d'accord sur les grands principes. En gros, chacun a les siens ou une interprétation qui est la sienne. Vous voulez qu'ils sachent faire quoi quand ils sortent de votre collège? En troisième, vous voulez qu'ils sachent, ou qu'ils sachent encore faire quoi? Et on a mis ça en pratique. C'est-à-dire l'importance de... Alors après, la difficulté, elle est derrière, hein. C'est que pour repérer les apprentissages incontournables, ce qu'il faut absolument savoir quand on... Au fond, savoir nager, c'est le plus facile là-dessus. C'est bien plus difficile de dire qu'est-ce que tous les élèves de la classe doivent encore savoir faire, donc les filles, en volée, à la sortie de la troisième. Et là, moi, j'étais en mesure de dire que des choses triviales... J'ai buté sur mes propres insuffisances, quoi.
C'est-à-dire, je leur dis, bah, pour moi, quand je vous regarde, est-ce qu'elles vont toutes en défense? Si elles vont toutes en défense, c'est qu'elles sont rentrées dans l'activité volleyball. S'il y en a encore qui jouent avec leurs bracelets, elles ne sont pas rentrées. Mais tu vois, notre faiblesse, ça a été d'avoir pas assez d'outils didactiques. Je ne suis pas sûre qu'il y en avait ailleurs, mais nous, en tout cas, on n'en avait pas assez. On en avait en rugby, on en avait en gym, grâce à Paul. En danse, c'était pas si mal parce qu'on avait, on avait quelques filles qui étaient tellement contentes qu'on parle enfin de la danse qu'elles étaient prêtes à faire un bon bout de chemin. En basket, un peu en volley, mais quand même, on a un peu buté sur un certain nombre de PS. Et sur le choix des activités, on a buté sur un. Quelqu'un m'a dit un jour, à force d'être réaliste, t'es pas assez exigeante. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. C'est-à-dire que j'avais tellement, comment dire, la conscience des limites, des possibilités des collègues entre les installations sportives et les horaires, que peut-être des fois j'ai pas mis la barre assez haut. Ça, je me le reprocherai peut-être. Mais on les a vraiment torturés sur les choix des activités. Tu vois, par exemple, sur les contenus réels de l'activité. Je me souviens d'avoir dit aux profs de lycée, hein, déjà je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être ceux qui considéraient qu'ils étaient moins aimés que les autres, qu'en plus je leur disais, les temps que vous affichez pour les élèves au bac, vous êtes sûr que c'est de la vitesse? Donc, tu vois la tête des élèves, quoi. Évidemment, quand on regardait les temps des élèves, c'était pas de la vitesse. La leçon en longueur, c'est du son en longueur, ça. La marelle, là, c'est du son en longueur. Ça faisait mal. Ça faisait mal, parce que la question des acquis réels, elle était aussi visible pour eux que pour moi, quoi. En gros, beaucoup de collègues disaient « le cours s'est bien passé ». Tu disais « oui, le cours s'est bien passé, les élèves ils savent quoi ». Et de ce point de vue, je me demande si sur le bac, je ne me suis pas comportée un peu en tortionnaire, quoi. C'est-à-dire que j'ai quelquefois mis le nez sur des trucs. Parce que les collègues, il y a des collègues qui m'ont répondu, un jour des profs de lycée. Sur la vitesse, je leur disais « arrêtez d'appeler ça vitesse, quoi ». Ils m'ont regardé, ils m'ont dit « tu veux qu'on fasse quoi ?» Et c'était... moi, j'ai pris leur réaction comme normale, quoi. C'était une vraie, vraie difficulté. On fait quoi en 2 heures avec des lycéennes moitié motivées, quoi. Les filles à l'époque, puisqu'elles s'appelaient encore comme ça, les filles du tertiaire en LEP. Tu fais quoi sur les 2 heures? 2 heures dans la vie d'un lycéen. Je leur ai dit ça. Alors, ils me parlaient de la formation physique, de l'entretien de soi, etc. Vous rigolez? Avec 2 heures par semaine? Vous pensez qu'il y a des choses qui jouent sur l'entretien de soi? Ils étaient... meurtri. Je pense que c'était des très bonnes questions, mais que c'était pas comme ça qu'il fallait les poser, quoi. Hein? J'ai hérité de mon ministre Anicé Le Pors l'idée que on sert pas l'État comme les monopoles et que la fonction publique c'est quelque chose qu'il faut attacher, quoi. C'est une fonction publique. Je pense que les profs avaient pas le droit à FPC de faire ce qui leur plaît. C'est-à-dire, je pense que la FPC, qui est un système coûteux, je crois qu'il l'est moins, hélas, parce qu'on a perdu des sous, mais il fallait absolument remettre la FPC sur ses pieds, c'est-à-dire obliger un peu les enseignants à se faire des diagnostics sur c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi leurs besoins. Ça, j'ai jamais lâché là-dessus, et je vais vous dire, c'est aussi ma théorie politique. C'est-à-dire qu'on fera jamais bouger l'éducation nationale, ou autre chose, ou la société, si les profs ne mettent pas en commun, s'ils ne sont pas capables de mettre en commun de quoi on a besoin. Pas en termes de moyens. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, de changer, quoi. Est-ce qu'on est content de... Je trouvais que Paul, par rapport aux élèves, il avait une phrase comme ça magnifique. Il faut dire au môme, tu veux faire quoi aujourd'hui? Tu voulais... Non, à la fin du cours, faut dire, tu voulais faire quoi aujourd'hui? Le môme répond, t'as réussi. Le môme répond, et t'as réussi combien de fois? Et maintenant, tu veux faire quoi? Je trouve que cette démarche, au fond, c'est la question du sujet. La raison pour laquelle j'ai adhéré complètement à ce que disait Lucien Sèvres, mais encore plus à l'époque, Yves Clour, Chex, puis Paris 8, etc., c'est la question du sujet, la place du sujet dans les apprentissages. De ce point de vue, je pense que la place du prof dans l'enseignement, elle est aussi très importante, et que ça ne peut pas ne pas être des processus collectifs. Tant plus qu'on a la chance, nous, de ne pas travailler avec des portes fermées. Donc on se voit entre profs de PS. Donc c'est vachement important de discuter avec le prof, t'as obtenu quoi, toi, moi ça j'y arrive pas. Et d'en débattre avec les élèves. Tu vois, en inspection, un jour j'ai pris une gamine de première en disant, elle est pas terrible ta roue là. Hein? Je dis non, elle est pas terrible. Et comment tu vas faire? Eh bien le soir je vais m'entraîner. Je trouve que si toutes les filles de première en gym
décidé que le soir elles vont s'entraîner pour faire la roue. Alors tu vois, c'est ça que j'appelle des propos triviaux. C'est un peu trivial de le dire comme ça. N'empêche que c'est ça la question. Donc la question de Paul, tu voulais faire quoi aujourd'hui? T'as réussi combien de fois? Alors que je peux donner l'inverse. L'inverse, c'est des filles en seconde dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Je leur demande combien elles sautent, elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Et elles me disent qu'elles n'en ont jamais fait en collège, de la hauteur. Moi, je savais bien qu'on faisait tous, hélas, on faisait tous de la hauteur. Ou du moins, les profs faisaient de la hauteur. Les élèves, je ne suis pas totalement sûre. Ah, c'est vrai que quand tu dis des trucs comme ça aux profs... Et en même temps, s'ils se mettaient entre eux leurs résultats, y compris en termes de mesures, ils verraient bien que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, moi, je crois beaucoup, c'est pour ça l'expérience que j'ai faite en FPC, je trouve qu'elle était géniale. Quoi. La mise en commun des difficultés et des besoins. Il y a une chose étonnante, c'est que tu dis que finalement, au cœur du projet, c'était le sujet. Or, les contradicteurs du courant, je dirais, sportif, du courant culturaliste et du courant sur lequel on travaille aujourd'hui, ils disent que, justement, vous êtes ceux qui ne s'occupaient pas du sujet, vous êtes sur les APSAS et puis le reste ne vous intéresse pas. C'est totalement faux. Totalement faux. C'est là que, si tu veux, l'apport du bouquin d'Yves Clos sur la FIAT, sur redécouvrir l'expérience ouvrière et la façon dont ils ont introduit Léontief. Je ne dis pas Vygotsky parce que moi, je connais moins bien Vygotsky, c'est tout. Mais je pense que c'est très important. C'est bien des questions sur le sujet, sur l'activité du sujet. Mais oui, non, nous, pour nous, ça a été central, puisque notre truc s'appelle « Quel programme pour quels élèves ?» Non sans ambiguïté, d'ailleurs, mais bon, là, on a décidé comme ça. Et c'est quoi ce qui fait qu'un gamin, il s'engage vraiment dans les apprentissages? C'est la même chose dans les autres disciplines. Hein. L'histoire du cahier bleu, du cahier rouge, enfin, en primaire, tout ça, c'est la même question. C'est l'activité réelle du sujet réel. Elle fonctionne comment? Et là, moi, je crois que le fond est le questionnement didactique. J'ai raconté souvent comment je me suis engagée sur la question des filles. À l'époque, on faisait du 6-6. Donc j'avais une classe de 5e avec qui on s'adorait, qu'on ne me dise pas que c'est une question de relation. Hein. Et je passais plus de temps avec les filles, qu'on ne me dise pas que c'est une question... Voilà. Au bout de 15 jours, les garçons, pratiquement du volet de volleyeurs, enfin, ils construisaient, quoi. Et il devait y avoir une fille parmi eux, c'est pas les garçons, c'est les volleyeurs. Et le terrain, oui, par contre, il n'y avait que des filles, je me serais bien gardée d'y mettre le petit gros. Elles étaient aussi désolées que moi de ne pas réussir. Tu vois, donc ce n'était pas une question de bonne volonté. Tout ça, c'est que simplement, moi, je n'avais pas les outils didactiques à leur proposer qui auraient permis que chacune progresse, que chacune s'empare vraiment de la balle, c'est le cas de le dire. Et j'étais profondément marquée par ça. C'est là que j'ai commencé à travailler sur les femmes, en me disant, c'est pas possible, il y a un truc. Faut que j'arrive à enseigner, quoi. Voilà. Ben donc, tu as basculé sur la deuxième thématique, je dirais, qui fait qu'aujourd'hui, tu es cité dans les copies des concours. Voire même, tes citations sont des sujets de réflexion pour les futurs enseignants d'éducation physique. Donc, c'est la question des filles. Avec le recul aujourd'hui, comment la pelote s'est déroulée et comment tu apprécies, si tu veux, ce que tu as déclenché sur cette question-là aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'éducation physique, une forme de naturalisation des activités physiques qui consiste à dire ben finalement telles activités c'est pour les filles, telles autres, etc. La question bien sûr de la CP5, la fameuse CP5 qui a été construite pour permettre aux filles de, etc. Voilà, donc ça fait un petit peu un gros paquet, mais voilà, quel est ton regard aujourd'hui sur tout ça? Alors je te dis, l'exemple que je vous donne sur mes filles envolées, là, mais je l'ai encore dans les yeux, vraiment, quoi. C'est en 75, c'est-à-dire c'est l'année de la femme. C'est l'année où les féministes montent vraiment en puissance dans le champ politique et où en même temps le PS a l'intelligence de récupérer tout de suite. C'est-à-dire il y a une commission politique, il y a une commission sur la question des femmes au Parti Socialiste, etc. Ah oui, quand tu dis le PS, c'est le Parti Socialiste. Là, c'est le Parti Socialiste. Cette fois, c'est le Parti Socialiste. C'est le Parti Socialiste. À l'oral, c'est source de confusion. Et je prends tout d'un coup conscience du retard dans ma propre réflexion, qui est aussi le retard des communistes à l'époque. Je me dis, mais c'est pas possible. Bien sûr qu'elles ont raison sur la domination des femmes.
Alors, je fais quand même regarder un peu des références de type Marx et Engels sur l'origine de la famille, la propriété de l'État. Donc, pourquoi l'avancée qui était possible à partir de la pensée marxiste de la fin du XIXe siècle, elle s'arrête. Et donc ça me torture, mais vraiment quoi. Hein. En plus, je deviens permanente du SNEP, ce qui ne me torture pas à l'époque. J'accepte notamment parce que je trouve que je bosse pas bien. Et que donc je serais plus utile au syndicat, alors, pour dire vite. Voilà. Vu ce que je fais dans mon boulot, dans mon bahut, ça va pas. Voilà. Et comment dire, je prends et je récuse une partie des théories féministes, c'est encore le cas aujourd'hui, dans leur diversité. C'est-à-dire, je prends totalement tout ce qui est référence théorique à l'histoire de la domination des femmes. Je comprends bien ça. Simplement, j'y ajoute le « hors les femmes ». C'est-à-dire que le fait que le sport se soit créé en territoire masculin, moi, je n'appelle pas ça de la domination des femmes. C'est du sang, les femmes. On peut me dire que c'est de la domination, mais voilà, je crois que l'inconscient existe, je crois que le désir existe. Ça, c'était plutôt sans que contre. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et pas par volonté de les exclure. C'est-à-dire, au fond, tous les discours qui sont... c'est parce que des méchants les empêchent. Et c'est pas tout à fait faux, surtout à l'époque. Hein. Faut se rappeler ce que Ferras disait sur les femmes, ce que Madiot disait sur les cyclistes, etc. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. C'est qu'elles en ont pas envie. Majorité d'entre les femmes n'ont pas envie. Donc, par exemple, quand on a parlé après de la parité au foot, je m'arrachais les cheveux. En disant, enfin, c'est pas demain matin qu'il y aura 1 million de filles qui auront envie de faire du foot. Hein. Peut-être ça viendra, mais pour le moment, non, quoi. Donc, arrêtons de dire que c'est parce que les autres sont des salauds, quoi. Donc, j'ai jamais accepté, dans le discours de certaines féministes, la mise en cause des hommes. Historiquement, oui, la domination, tout ça, oui. Mais du delà à mettre en cause les hommes, à dire c'est aujourd'hui de la faute des femmes, c'est parce qu'il y a des hommes, c'est parce qu'il y a des méchants qui empêchent, ça j'ai jamais accepté. Donc je voyais bien que mes filles, c'était pas les garçons de la classe qui les empêchaient d'apprendre, quoi. C'était ma difficulté, leur faible désir de s'engager dans les activités physiques, a priori, a fortiori sportives, c'est là qu'il y a ce petit biais dans lequel certains s'engouffrent, et ma difficulté à moi à proposer, donc le désir des filles et la capacité du prof à trouver des trucs nouveaux. Donc, comment dire, ce qui fait que je suis écoutée assez rapidement. Alors j'ai pas de problème au SNEP, hein. Je le dis pas pour vous faire plaisir, je le dis parce que c'est historiquement vrai, mais au SNEP le SNEP a toujours été, au contraire, m'a plutôt poussée à continuer à faire, etc. J'avais quelqu'un m'a chopé dans l'escalier en disant « Tu nous emmerdes avec ta question de... » Ça m'arrivait avec certains formateurs. « Tu nous emmerdes avec ton question de la danse. » Ça m'arrivait, oui. Et donc, cette idée que la question des filles, au fond, je ne l'ai peut-être pas dit comme ça à l'époque, mais je l'ai comme ça après, c'est un peu la même question que le collège unique, la mixité. J'ai plutôt travaillé, il ne faut pas oublier qu'au départ, j'ai plutôt travaillé sur la mixité que sur les filles. Hein. C'est-à-dire, j'ai demandé mon affectation. J'étais nommée, moi, dans un lycée féminin armand, quand j'étais prof. J'ai des filles adorables, d'ailleurs, que des filles, et que des collègues femmes. Voilà, y compris dans les autres disciplines. Et puis en collège, en lycée professionnel après à Paris, j'ai fait 68 dans un lycée professionnel féminin. Souvenir à la fois formidable et en même temps, je savais ce que ça voulait dire la non-mixité. Quoi. C'est devenu leur mec, hein. C'est moi qui dirigeais tout, voilà, c'était l'horreur. Donc j'ai demandé ma mutation en collège pour la mixité. C'est dans les arguments que je donne. Et ma demande pour être IPR, parce que j'ai quand même fait une demande, hein. Pareil, la mixité et la question des filles, là je mets les deux. Et sur la mixité, j'étais complètement prise dans cette contradiction qui, je crois, existe encore. Je ne voulais pas séparer les filles des garçons et je n'arrivais pas à ce qu'ils fassent des progrès de la même façon ensemble. Comment on fait avec ça? Donc je me suis tellement pris le chou que du coup, je disais des choses qui étaient assez... Tu vois, je n'avais pas un discours proclamé sur les filles. Je disais, ben voilà sur le terrain, voilà ce que je vois. On fait quoi? Et je crois que les gens se sont intéressés à ça parce que du coup, ça les concernait dans leur pratique aussi, ils butaient là-dessus. Et comme, en plus, l'autre argument que j'avais, c'était les statistiques. J'ai toujours adoré les statistiques. Ça, je vous embête sur les stats et les autres disciplines. C'est que les statistiques étaient tellement imparables, quoi. Même quand vous bricolez les notes, même si vous mettez, vous savez, à l'époque il y avait des notes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bon, si les élèves étaient sages et gentils, ils avaient une meilleure note, quoi.
même quand vous mettez des notes très hautes, les filles à la fin elles ont quand même moins que les garçons. Donc si tu veux, c'est ça qui était audible, c'était un constat. Quand on met les constats ensemble, c'est ma manie ça, hein. Comment j'appelle ça, des observatoires de l'égalité. Voilà. Se faire des observatoires de l'égalité, pourquoi ça ne marche pas. Et donc petit à petit, j'avais un discours tellement différent. Enfin d'abord, premièrement, des autres discours, il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas qui touchaient le métier. C'est-à-dire, moi je pense que des gens comme François de Labrédie ont dit des choses intéressantes, tout ça, mais ça ne touchait pas le cœur du métier. Alors que moi, je posais ces questions-là à partir du cœur de métier, quoi. C'est-à-dire l'activité dans la classe, l'activité des élèves, l'activité du prof, l'activité des élèves. Donc je crois que c'est pour ça que j'ai été beaucoup écoutée. Ça m'a valu quand même des prises de tête avec moi-même difficiles, quoi. J'ai fini, je dis souvent, j'ai fini dans le premier livre qu'on a fait, là, sport, La part des femmes, j'ai fini le passage sur les sports co en pleurant. Hein. Parce que quand tu vas au bout des questions... Tu dis alors, pourquoi les filles, pourquoi toi t'aimes mieux le hand que le basket, etc. Ça pose de telles questions sur soi-même que c'est au-delà de la difficulté théorique, quoi. Ça, tu te prends le chou avec toi-même, quoi. Donc, j'y ai bouffé une énergie telle que ça a dû être reconnu. Enfin, les gens viennent de voir que j'écrivais pas de... Mais dans le détail, c'est une question difficile. Par exemple, avec des filles très, très, des très bons profs. Hein. Sont en région maintenant, mais elles avaient observé des basketteuses, donc elles avaient observé les filles en basket. Elles reviennent et me disent, t'as pas raison, Monique, on a compté les actions des filles, il y a autant d'actions des filles que des garçons. Je dis, ah bon ? Et les actions en attaque ? Elles baissent les bras en disant, tu trouveras toujours la question. C'est-à-dire que c'est voilà, ça pose quand même des questions auxquelles il n'est pas si simple de répondre. Tu peux pas foutre des coups de pied au cul aux filles pour qu'elles aillent en attaque. Il faut qu'elles aient le désir d'y aller. Comment tu fabriques du désir, quoi ? Et je pense que la question de fabriquer l'envie d'apprendre, c'est une question, tu vois. Si tu dis aux maîtresses qu'il faut faire de l'EPS, je pense que c'est pas évident en région parisienne. Si en plus tu leur dis, en lecture, vous pourriez mettre la pédale douce sur les petits animaux, les petites fleurs, etc. Et puis être un peu plus dans le combat, l'aventure, les pics. Tu vois le gouffre que tu ouvres, quoi. Or, c'est une question complètement didactique, d'ordre didactique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, du point de vue de la subjectivité de l'élève, fait qu'il va avoir envie d'aller taper sur une balle de volée ? Moi, je me souviens des secondes, on demandait c'était quoi gagner en volée pour les garçons qui répondaient, c'était taper, frapper, et pour les filles, c'était passer la balle à la copine, ce qui était déjà passionnant. Et voilà. Et donc, c'est pareil que les livres avec les petits animaux, les petites fleurs, par rapport aux livres avec un peu d'aventure, un peu de mouvement. Je dis pas Star Wars, mais enfin, voilà. Quand même, quoi. Donc, c'est des questions qui mettent en cause les goûts personnels aussi des enseignants. Et moi, je suis pas là-dessus pour qu'on leur fasse du mal. Quand je dis qu'il faut pas être meurtrier, quoi. Il faut qu'ils fassent avec. C'est-à-dire, au fond, ce qui est embêtant dans le primaire, puisque c'était mon sujet de thèse possible, c'est pas qu'elles soient des femmes, c'est qu'elles ne le sachent pas. C'est-à-dire qu'elles ne sachent pas que ça joue un rôle dans la conception des activités qu'elles vont enseigner. Donc les danseuses, c'est pas dramatique qu'elles soient danseuses. Le problème, c'est qu'elles sachent que les sports co, ça n'a jamais été trop leur tasse de thé, enfin celle pour qui c'est le cas. Hein. À l'inverse, les footeux, c'est pas un drame qu'ils soient footeux. L'important, c'est qu'ils sachent ce que ça veut dire. Être footeux quand tu dois faire des choix de programmation où en plus tu mettras pas le foot, puisque apparemment les collègues mettent pas le foot dans les choix qu'ils font. Et donc les questions, l'auteur est aussi impliqué dans ces questions sur la subjectivité, sur ta propre culture, quoi. Un jour j'ai téléphoné à la revue EPS, je connaissais pas trop mal la dame qui s'en occupe, et je lui dis j'en ai marre d'être toute seule sur la mixité, quoi. Faudrait peut-être voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Maintenant on a une réponse à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont mis au travail, incontestablement. Est-ce qu'ils s'y sont mis plus par le biais des chaires d'études féministes que par le biais des travaux de terrain ? Mais incontestablement, il y a des gens qui travaillent sur ces questions. Je crains, pour ce qui me concerne, que beaucoup des gens qui travaillent là-dessus travaillent plus à partir de principes, pas théoriques, je ne suis pas contre la théorie, je dirais politiques, enfin de principes féministes, voilà. Et souvent pas assez attentif au terrain.